je vous montre juste le dernier tour du Rox pour le Kra. Voilà, ça monte avec des flèches explosives. Regardez les nouveaux stuff que j'ai. Voilà, voilà le Rox de mon Kra. Eh bien bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Et en ce début de vidéo, je vous demanderai de lâcher votre plus gros pouce bleu, puisque vous allez comprendre dans quelques secondes. Avant de passer à la présentation de mes 8 personnages niveau 150 sur un grid, je me suis rappelé, il y a 2 petites minutes, que j'avais des concours à faire, donc ne vous en faites pas. Pour le concours des 50 millions d'abonnés, puisque j'ai dépassé 50 000 abonnés, des 50 millions de Kama, pardon, puisque j'ai dépassé 50 000 abonnés, ça arrivera dans les prochains jours. Voilà, je vais pas vous proposer des concours tous les jours, mais je vous promets que dans 3-4 jours, le concours 50 millions, il sortira sur la chaîne, vous en faites pas. Il y a Elzor, je vous avais montré il y a quelques jours, qui m'avait filé donc des potions d'autopilotage. Comme vous le savez, moi je n'accepte aucun don, donc ça c'est pour vous, c'est gratuit. Donc c'est dans cette vidéo, il y aura 3 gagnants, non 3 gagnants, qu'est-ce que je raconte. Il y a 8 potions. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Bah écoutez, il y aura... Bah 3, bah non, je peux pas 3. 4 gagnants? 4 gagnants, 3 potions? Ouais. Ouais, les 4 gagnants. Ouais, non, 2 gagnants. Comme ça, les... Non, les 4 gagnants, comme ça, il y aura plus de... Il y aura plus d'heureux sur ma chaîne. Donc 4 gagnants les gars pour participer au concours. Donc ça se passe sur Hagrid. Gros big up à Elzor, c'est lui qu'il faut remercier. C'est surtout pas moi, moi je suis que le transmetteur, hein. Ça je vous le dis tout le temps. Mais il y a des gens qui me disent oui merci Joy. Non, moi il faut pas me remercier. Enfin si, il faut me remercier quand je fais des concours avec mes propres camas. Mais ça c'est pas à moi, c'est Elzor qu'il faut remercier. Donc gros big up à lui. Donc pour participer, il suffit de lâcher un pouce bleu dans cette vidéo. Il faut être abonné à la chaîne, bien évidemment. Et il faut participer dans l'espace commentaire en écrivant « Je participe » avec votre nom et votre prénom. C'est pareil, vous mettez « Je participe »,« Je m'appelle Titeuf », mon nom de famille c'est Hagrid. Voilà, Titeuf Hagrid. Pourquoi c'est important pour moi? Si jamais, quand je ferai le tirage demain, quoique demain ou après-demain, on verra bien, je verrai comment je vais procéder. Si jamais je fais le tirage et qu'il n'y a pas votre nom et prénom, je vais devoir ne pas vous donner le gain. Pourquoi? Parce que il y a eu des fakes, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais je préfère expliquer parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Vous êtes vraiment nombreux à vous abonner ces derniers temps et ça me fait super plaisir. Donc voilà, participez, nom, prénom, quand je vous contacterai sur Twitter, Instagram, Snapchat, etc., il faudra m'envoyer une petite vidéo de 2 ou 3 secondes de votre carte d'identité. Oui, une vidéo, pas une photo, parce que les photos c'est trop facile à truquer avec Photoshop. Je préfère être clair sur le concours, histoire qu'on ne me pose pas des milliards de questions dessus. Donc voilà, participez en masse. Vous savez quoi, il y aura même un 5e gagnant. Parce qu'il y a un gagnant qui n'a pas été récompensé, enfin qui est venu, m'a contacté, enfin bref, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Donc il y a 4 gagnants avec 2 potions d'autopilotage, ça fait 3 millions. En gros, si vous voulez, là je vous propose un concours, il y aura 5 gagnants. Et il y aura 4 gagnants avec 2 potions d'autopilotage, donc ça fait environ 3 millions de Kama. Pour 4 gagnants. Et il y aura un 5e gagnant dans cette vidéo. Et ouais. Et franchement les gars, si c'est une vidéo concours et il faut que vous participez et que vous avez vraiment pas mal de chance, c'est cette vidéo là. 5 gagnants, ça n'arrive jamais sur ma chaîne. Donc voilà, 2,5 millions et plein de potions d'autopilotage. Vous avez juste à mettre votre nom, prénom, je participe, c'est fait. Et bonne chance à tous. On va passer à la vidéo enfin. Désolé, hein. Je sais que je mets beaucoup de temps à expliquer et qu'on me le reproche très souvent. Mais je pense avant tout aux nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne et qui comprennent rien du coup pour les concours. Et après, quand ça tombe sur eux, je vois pas leur nom, prénom, et du coup, bah après, c'est tant pis pour eux. Après, carte d'identité, permis de conduire, etc. Tant que vous avez un justificatif vraiment qui prouve que c'est vous, parce qu'il y a eu beaucoup de fakes qui ont remporté des trucs à la place des vrais gagnants. Du coup, 4 minutes, ok, on passe à autre chose, le concours c'est ok, c'est fait, au moins ça sera fait. Donc maintenant, on va tout simplement parler de la team les gars, ma team, je suis trop heureux de vous annoncer la présentation de ma team complète. Là les gars, ça va être une vidéo complète, n'hésitez pas à me le faire savoir, franchement, en même temps que votre commentaire, si jamais vous ne l'avez pas encore écrit. À la fin de la vidéo, si jamais ça vous plaît, vous allez voir que là, je vais vraiment faire une vidéo bien détaillée qui va durer normalement une 30aine de minutes. Je vais tout expliquer de A à Z, vraiment absolument tout. C'est-à-dire,
Pourquoi est-ce que j'ai pris ces items-là? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette panneau-là? Pourquoi j'ai pris ces dragodons-là? Pourquoi j'ai mis ces caractéristiques-là? Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer et le stuff, et le rocks au pooch. Je vais vous montrer les statistiques, quelles caractéristiques mettre. Je vais tout vous expliquer, histoire que pour les abonnés qui ont commencé une aventure en même temps que moi, ou qui commencent après moi une team de 8, eh bien vous ayez des conseils précieux. On va commencer déjà par le commencement. À l'heure actuelle, j'ai une team, d'ailleurs la guilde est complète, hein, inutile de me contacter en ce moment, on est archi complet, je refuse beaucoup de personnes. Ma team est entre niveau 155, 156 et 159, comme vous pouvez voir. J'ai commencé cette aventure extraordinaire sur Hagrid il y a deux mois, j'avais rien, encore une fois je suis fier d'en arriver là, ce n'est que le début. Donc, ma team est composée de 8 personnages. Comme vous pouvez voir, ici, je les ai classés par éléments. Vous pouvez voir qu'à gauche, j'ai mon Krak, feu, mon Enyrypsa, feu, et un Roublard, feu. Ensuite, j'ai un seul perso qui est haut, c'est le Pandawa. Je vais expliquer pourquoi tout ça, vous en faites pas. Le Yop qui est terre, le Zobal qui est terre, le Nu qui est air, et la Feka qui est air. Jusque-là, tout va bien. On va commencer d'abord par les persos feu. Ensuite, je commencerai ici, j'enchaînerai avec le personnage haut, qui est le Pandawa. J'enchaînerai ensuite sur les deux persos de terre, à savoir le Yop et le Zobal, et ensuite j'enchaînerai, je terminerai surtout cette vidéo par la présentation des stuffs Enu et Feka. On va passer au premier personnage, qui est le personnage feu. Qui est le personnage du Kra, bien évidemment, mais qui est un personnage feu. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier et d'avant-hier, vous savez comment je suis stuffé. Je vous en ai déjà parlé, ça fait plusieurs jours. J'ai décidé de partir sur une full panoplie Shenmue. Hein, contrairement à beaucoup d'abonnés qui m'ont conseillé de ne pas me mettre en full panoplie, d'avoir un remur, etc. Moi j'étais contre cet avis là parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Hein. Là il faut savoir que j'ai une team de 8, ça coûte extrêmement cher à stuffer, surtout sur Hagrid. Peut-être que si vous êtes sur Pandore, Meriana, Hush, etc., c'est pas cher les trophées, mais sur Hagrid, voilà, il suffit que je vous montre quelques trophées. Par exemple le Pandawa qui a un remur, voilà, ça coûte combien un remur sur Hagrid, voilà. 1,5 million, voilà, ça coûte extrêmement cher. Donc, j'ai préféré partir sur une full panoplie Shenmue, voilà, que j'ai fait FM par, alors je sais pas s'il est court, Ruessar, hein, il est là. Si jamais vous voulez vous faire FM ou crafter des items sur Hagrid pour pas trop cher, n'hésitez pas à contacter Ruessar Edrosaire, le pseudo est juste ici. C'est lui qui m'a tout FM. Donc, je lui ai demandé, je vais vraiment essayer de faire une vidéo complète avec 100% d'explication. Je lui ai demandé tout simplement de me FM absolument tous mes stuff, maximum de prospection, hein, parce que je joue une team de 8 et ça aussi je vais revenir juste après dessus. Maximum de prospection, dommage, sagesse. En fait, en gros, je lui ai demandé de me FM mes stuff très bon G dans pratiquement toutes les staffs sauf les résistances fixes. Ça, j'ai changé hier, j'ai pas pris de Gelano PA Vita. J'ai changé, donc j'ai pris un Jano PA 35 Intel pour le Rox. Sinon, voilà, il n'y a aucun over Intel, absolument aucun over Intel. Il y a juste, en gros, si vous voulez, tous les stuff que là je vais vous montrer, et je vous montre juste pour le crâne, après j'éviterai de vous montrer sur le reste. Mais en gros, tous les stuff sont très bon G, tout simplement. Tout a été FM à la perfection, notamment en prospection, dommage, sagesse, Vita, Rox, etc. Ensuite, on passe donc voilà en full panoplie Shenmue, j'ai rien à vous apprendre, j'ai aucun exo PAPM, hein, je suis pas riche, hein, on va pas déconner. Donc voilà, c'est bon, est-ce que vous avez tout vu? Vous avez vu léger, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste des bons jeux, voilà. Baguette des limbes over Vita. On passe au trophée Edofus, donc j'ai décidé d'investir dans des trophées que j'ai craftés, j'ai tout crafté. Ça aussi, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, tous les stuffs que vous allez voir ici, 99% des stuffs ont été craftés. Il y a très peu de stuff qui ont été achetés parce que c'était moins cher en HDV que le craft, mais voilà. Donc j'ai décidé de crafter saccageur majeur pour les 10 dommages feu. Ça je l'ai acheté hier parce que ça coûtait rien en HDV, que ça coûtait moins cher que le craft. Astucieux, que j'ai crafté. Pourquoi pas le majeur? Bah allez voir en HDV sur Hagrid, ça coûte 2,5 millions, voilà. Savant mineur, ça j'ai acheté, c'est un petit kiff vraiment pour augmenter l'intel. 2 fuscawatt enquête, 2 fuscaliptus, et voilà. Donc je vais passer aux statistiques et après au niveau des stuff Roublard et Eni, je vais très rapide parce que c'est exactement le même stuff. Donc vous en faites pas, ça n'a pas duré une heure. La Vita, on peut voir j'ai presque 2500 de vitalité. J'ai oublié de vous montrer le truc le plus important de cette vidéo, c'est les dragodindes. Et je sais qu'à travers les vidéos que je fais, il y a un certain impact à travers certains serveurs. Il est possible qu'après cette vidéo, il y ait que les prix augmentent, notamment à travers les dragodindes turquoise et rox. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'opter pour une dragodinde turquoise et orchidée. C'est une dragodinde, les gars,
qui donne 300 vitalité, 70 d'intelligence et 60 de prospection. C'est une drague d'Inde qui, pour moi, dans une team de 8, doit être presque indispensable au niveau 150. Parce que vous allez voir que le drop va être hyper important. Bref, cette drague d'Inde donne 300 vitalité. En fait, elle est énorme. Elle donne tout ce que je veux. Vitalité, rocks et prospection, c'est mieux pour le drop. Voilà. On passe aux statistiques. Donc les statistiques, je ne suis pas par chaud, sauf Intel. Je me suis par shoté un tout petit peu en Intel. Ça m'a pas coûté cher du tout. 44 en Intel, voilà. Je suis pas par chaud 100 parce que ça coûte hyper cher. Sinon le reste, je suis pas par chaud. Donc mon CRA en stat niveau 157, j'ai 860 d'intelligence. Ce qui, je trouve, n'est pas dégueulasse. Hein. Franchement, je trouve que c'est assez intéressant. 850. Je peux monter à 1000. Hein. Je peux acheter un Bruli. Je peux me par chaud 100 Intel. Je peux acheter l'astuce majeure qui coûte 2,5 millions. Mais je me ruinerai pour monter au 1000 Intel. Je trouve que c'est pas hyper rentable. Donc 10 PA 6 PM, 2 portée. Coup critique 16. Puissance 45. Sagesse 260. Donc ça, c'est assez intéressant. On a, voilà, le soin, on n'en a pas beaucoup. Ça sert à rien sur le CRA. Prospection 260. Dommage 53. Et dommage feu 10. Les résistances, on a environ 12, 13, 17, 6 et 6. Voilà. Donc pour le stuff de Lenny, je vous le montrerai très rapidement. C'est exactement le même. C'est exactement le même stuff. Sauf qu'en trophée, je mets le soin. J'aurais pu mettre là des trophées Rox. Mais bon, c'est pareil. J'ai essayé de... Voilà, tout simple. Ah, j'ai oublié juste de vous montrer un truc, et après je passe à Lenny. C'est le bouclier. J'ai crafté 5 boucliers d'As, 2 boucliers Dragocar et un bouclier du Chouk. Donc pourquoi ce bouclier? C'est parce qu'il est complètement énorme. 5% crit, bon le talc je m'en fous, l'esquive PM ça peut être intéressant. Mais surtout, j'ai crafté ce bouclier pour 8% dommage au sort. 8% dommage au sort, c'est juste dingue. Ça rajoute énormément de rocks en fait, tout simplement. À tous les sorts que vous lancez, quoi. Que ce soit au corps à corps et à distance, c'est ça qui est très bien avec ce bouclier. Donc moi, je vous invite à le faire. Maintenant, il coûte assez cher. Hein. Franchement, le craft, j'en ai quand même pour 700 000, mais en HDV, ça coûte quand même pratiquement 1 million de boucliers. Encore une petite astuce Kama, d'ailleurs. Tiens. Donc Eni, c'est exactement le même stuff. Full Shenmue, j'ai un OP Avita, voilà, baguette des limbes, Dofus, etc. Vous les voyez. Voilà, docteur classique, parce que le majeur, il coûte 3 millions de Kama, limite. Astucieux. En bouclier, donc voilà, j'ai décidé d'opter ça. Pour ça, parce que bah, c'était pas cher et ça donnait 15 de soins, c'est tout. Les stats de Lenny, voilà, 740 d'intelligence. Sinon, c'est le même stuff, hein, voilà. Bon, j'ai 52 de soins, voilà, c'est un petit stuff sympa. On passe au roublard, comme ça, on aura fait 3 persos d'un coup. C'est le même stuff, le roublard. Voilà, c'est le même stuff que les deux autres persos, à savoir c'est FM à la perfection en PP. Bon, j'ai 200, voilà, là vous pouvez voir, j'ai 260 de prospection, comme le CRA, j'ai exactement la même PP. Donc voilà, coiffe Shenmue, full Shenmue, Jano P. Vita, baguette des limbes Vita, bouclier d'As aussi, voilà, trophée dommage feu et astucieux, voilà, de coco, etc. Voilà, niveau stat, je sais pas si je dois vous montrer davantage, j'ai 740 en Intel environ, portée j'en ai que 2, c'est vrai que c'est pas ouf pour un roublard, mais c'est pas dramatique, moi ça me suffit. Voilà, Dragodin, toujours pareil. Les statistiques, alors les statistiques, désolé, je voulais pas montrer, mais je pense que ça se devine. J'ai tout mis en rocks, voilà. J'ai tout mis en rocks, c'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre explication. Tous les points que j'avais, j'ai, voilà, je peux le faire devant vous, hein, si ça peut vous intéresser. J'ai 500 de base, du coup, avec les stuff. Voilà, j'ai tout mis en rocks sur le CRA. Je vous conseille de faire ça, parce que déjà que moi, j'ai opté pour des G, prospection, Dragodin de PP, rocks. Moi, je vous conseille de mettre plutôt tout en rocks, voilà, tout simplement. On passe maintenant au Pandawa qui a un stuff haut et là il est vraiment super intéressant son stuff je trouve. Il y a sans doute moyen d'avoir mieux mais moi je trouve que c'est sans doute l'un des plus beaux stuff que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est un stuff haut, voilà c'est un stuff haut, Pandawa haut niveau 159 à l'heure actuelle qui commence en premier, hein. Vous voyez mon groupe à droite, vous voyez l'initiative de mes persos, je trouve que c'est une assez bonne initiative, j'aurais aimé que le Zobal soit peut-être deuxième, là le Zobal joue troisième, et encore non, normalement le Zobal joue avant la F4, je sais pas pourquoi la F4, et je sais pas, ça doit être un bug d'affichage. Donc le panda qui est haut, qui a 2700, on va dire, allez, on va arrondir 2800 vita. Donc j'ai décidé de partir sur un masque du sergent Zot, qui coûte quand même assez cher, hein, on va pas se mentir. Je fais juste une mini parenthèse, les stuff que je vous montre dans cette petite vidéo. Bon alors bon, excusez-moi, j'étais perturbé IRL. Donc je continue, oui, donc je disais, alors oui, juste ce qu'il faut savoir, normalement je l'écrirai dans le titre, mais c'est pas sûr. Les 8 stuff que je vous propose dans cette vidéo, ce sont des stuff niveau 150 de chaque élément, et ce sont des stuff économiques, ce sont des stuff qui ne coûtent
pas cher et qui sont rentables. Donc des stuffs 10 PA 6 PM, 800 de stats, beaucoup de prospection, des stuffs qui coûtent vraiment pas cher et qui sont hyper rentables, notamment, et ça je vous l'ai pas montré, pourquoi je suis parti sur une full panoplie Shenmue, c'est pour le bonus de panoplie, et même je trouve que cette panoplie donne énormément de vita, de sagesse, de rocks, de prospection, de dommages, de résistance. Je trouve que c'est une panoplie vraiment hyper complète et hyper intéressante, surtout en plus, bon si vous voulez jouer Terre-Feu ça peut être intéressant aussi, mais regardez le bonus de panoplie. 1 PM, 20 puissance, 100 vitalité, 4 dommages, 4 soins, 30 sagesse. C'est vraiment une très très bonne panoplie, la panoplie Shenmue. Bref, je vais continuer avec le stuff donc du Pandawa. Donc le stuff du Pandawa, donc voilà, donc je suis parti sur un stuff, c'est le stuff qui m'a coûté le plus cher, hein, je vous le dis tout de suite, rien que la cape elle vaut 1 million de HDV, mais bon j'ai réussi à l'avoir je crois pour 800 000, j'ai eu de la chance. Il y a des mecs qui te vendaient à 800 000 en HDV. Donc tout a été FM hein, par du coup RESA comme je le dis, absolument tous les items, hein, logique vu que j'ai tout crafté il fallait que je fasse FM. Donc la coiffe, regardez juste les stats que ça donne, c'est pff, voilà 400 dini, 200 vita, 60 chance, 20 prospection, 2 lignes de res, 5 dommages, bon c'est vrai que c'est un petit peu le truc le qui est pas trop positif sur les 7, mais voilà, moi je voulais surtout les 20 pp, 60 chances, l'initiative au max, la vita, 2 lignes de raise, 5 sur 7 dommages, c'est pas dramatique, on va dire si je veux là je refais FM, c'est pas ça, c'est juste que ça me coûterait des cas en plus, quand vous avez une team de 8 les gars il faut savoir faire des sacrifices, je vais pas pleurer pour 2 dommages, c'est tant pis. 2% crit c'est pareil, je le dis les crits tu t'en fous, passe à autre chose. On passe à la cape souveraine du roi 5, est-ce que je dois dire pourquoi je l'ai pris? 15 pp, 60 chance, 60 agi, 2 lignes de raise, 7 dommages, c'est pareil, bon, 1% crit seulement cette cape. Cette ceinture elle est magistrale, je la conseille à tous les persos hauts, 140, vita, pp, en fait chaque item que j'ai pris vous allez voir, c'est tout le temps la même chose, c'est pp, sasa, vita, etc. Dommage, 1 de PO parce que le panda vous allez voir il a une grosse PO. Les bottes 140, vous êtes pratiquement obligé de les mettre si vous, jamais vous avez un perso haut PVM. 50 chance, 20 PP, 10 dommages haut, 1 PO, enfin voilà quoi. L'amulette, alors ça va être une exception, il n'y a pas de PO malheureusement, mais bon, Overvita, excellent G. 20 PP encore, 10 dommages haut, du tacle, res, crit. Najano, il n'y avait rien de toute façon à ce niveau. Ça, c'est la seule exception, c'est qu'il n'y a pas de prospection dessus. Mais il n'y avait vraiment rien au niveau 150 comme anneau qui donnait PP et PO. Et là, il me fallait vraiment un de PO. Donc voilà, j'ai pris ça. Jano PA Vita, HA Lamel, qui est un jet extraordinaire. Il y a juste les crits. Les crits où, de toute façon, j'ai dit à la personne qui m'avait FM. Là, en l'occurrence, c'est pas RUSA vu qu'il n'a pas les cacs. Voilà, 300 vita, 60 chances, 20 PP, 10 dommages, 1 PO. Voilà, on a des stats absolument dingues, je trouve, au niveau 150. On a 800 de chance. Bon, 200 de chance, c'est vrai que c'est pas beaucoup. J'ai oublié de vous montrer bouclier, bah bouclier d'as. Trophée, on a voyageur, parce que je voulais vraiment être en 6 PM. Voyageur, attendez. Ouais, si, c'est bon. Donc on a voyageur, remueur, nomade, fonceur pour l'initiative, d'Euskalyptus et chanceux. Donc on a 800 de chance, 2800 vita, on a 10 PA, 6 PM, 4 PO. Je sais que 4 PO c'est un petit peu chiant, mais vous en faites pas, j'ai un trophée PO ici. Je peux enlever n'importe quoi, je peux le remplacer, je peux avoir un mode 6 PO. En soi, mais en fait je préfère vraiment optimiser le ROX, la PP. Que limite la PO, mais je pourrais enlever soit le chanceux, soit le Dofuscalyptus pour avoir 6 de portée. Donc voilà les stats, puissance 50, critique 12, mais je m'en fous vraiment de la CC, 200 de sagesse, tacle on a rien, comme la fuite, PP 380 de prospection les gars, c'est énorme, c'est juste énorme. Dommage, on a 22 dommages et 37 dommages haut. Et en résistance, on a quand même 17% terre, 24% feu, 10% eau, 17% air. Quand même, on a pas mal de résistance et 4% neutre. Donc, c'est un panda. Voilà, j'ai rien à dire sur ce stuff là. Il manquerait peut-être un exopéa pour être en 11-6. Bon, je sais que le voyageur ça fait dégueulasse et je pourrais mettre un truc, mais j'ai pas envie. Voilà, je préfère. Par contre, panda, je vous dis tout de suite, ça se joue en 6 PM. Et de toute façon, voyageur en soi, je m'en fous parce que je joue panda haut et panda haut ça n'a ni tacle ni fuite. Donc, ceux qui me disent oui, voyageur c'est de la merde, non, c'est de la merde si vous jouez un perso haut, ça c'est sûr et certain. Mais pour un panda haut, si vous jouez un perso R, pardon. Qui a du tacle quoi et de la fuite. Mais pour un perso terre, feu ou haut, un voyageur c'est très bien. Donc voilà pour le stuff et après vous en faites pas, on va passer au rocks. Donc on passe maintenant, donc
tous les persos à gauche sont faits, on passe maintenant au Yop. Le Yop, comme je vous l'ai dit, c'est comme pour la Shenmue, c'est une full panneau melou. Voilà, full panneau melou. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce stuff? Je vous laisse, voilà, je vous montre. Bonus de panneau 1 PA, trophée 8 dommages, bonus de panneau, pardon, 8 dommages, 100 vita 1 PO. Donc c'est vraiment, tout est nickel sauf le PO. Pour le PO, vous allez voir, pour le Zobal, ça reste intéressant, pour le Yop, c'est pas du tout intéressant. Donc c'est un Yopter, hein, bien évidemment, que j'ai choisi, avec 10 PA 4 PM, ça aussi on pourrait me critiquer là-dessus, mais j'ai vraiment optimisé le Rox, je vous assure. En fait, quand vous jouez une team de 8, les gars, vous êtes obligé de faire des sacrifices par rapport à certains persos. Le Kra, j'ai vraiment... Bon, je l'ai pas encore fait, hein, le Kra, j'ai pas encore fait d'over intel, mais je sais que si jamais j'ai envie de le faire et de monter à 1000 intel, je ferai des sacrifices sur le Kra, parce que quand vous jouez une team de 8, il faut que vous ayez 2-3 persos qui sortent du lot en termes de Rox. Moi j'ai décidé que ça allait partir sur le Kra et que ça allait partir sur le Yop, tout en ayant des classes comme le Roublard, le Panda, l'Enu ou le Feka qui font extrêmement mal. Et de toute façon vous allez voir au putsch. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ce stuff là. Pourquoi est-ce que mon Yop est en 10 PA 4 PM? Le Rox est absolument abusé du Yop. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Pour ceux qui sont impatients, il suffit d'avancer la vidéo et vous allez voir le test putsch au Rox. Le test Rox au putsch. Coiffe du melou, voilà, donc je vous montre léger très rapidement. 19 PP sur 20, bon bah voilà, 9 dommages sur 10. Voilà la cape par exemple. Il manque juste un petit dommage, mais sinon 20 PP, voilà, les stats sont vraiment dingues, je trouve. Ceinture 20 PP, regardez juste. On me demande pourquoi les items me louent, mais les gars, est-ce que j'ai besoin de vous répondre? Quand vous avez une coiffe qui vous donne 20 PP, une cape qui vous donne 20 PP, une ceinture qui vous donne 20 PP, cape, botte, 15 PP, amulette, 20 PP, anneau, 15 PP, vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer. Voilà, le Yop, il a 290 de prospection au niveau 150, tout en ayant 824 de force, tout en ayant 2500 vita. Donc oui, alors bon, il a que 4 PM, je suis d'accord avec vous, mais tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, après, j'ai des persos, etc. Quand vous savez jouer une team de 8, les 4 PM, c'est pas un souci. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà pour mon stuff, full panneau melou. Voilà, très bon jet, prospection, etc. Rox. Alors, j'ai un OP à Vita. Griffe rose, je sais que je pourrais mettre autre chose, mais j'ai la flemme. Je trouve que c'est un bon corps à corps. Bon, ça donne pas de PP du coup, mais c'est un bon corps à corps. Voilà, Vita, Rox, dommage, sagesse. Tout est là. Donc pour le moment, je laisse ça. Je changerai sans doute par la suite. Enfin, je sais pas. Bouclier, et ça c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de mettre un bouclier, par exemple un bouclier d'as sur un Yopter. Pensez juste au fait que, alors oui, vous pouvez taper à distance avec pression, avec accumulation et avec épée de Yop, mais pensez juste que quand même un Yopter, ça coco tout le temps. Ça coco T1 et ça coco T4. Dans les gros donjons notamment. Donc pensez que ça reste mieux de jouer quand même un Yopter, donc un Yopter au cac. Donc j'ai décidé coupe de Dragocar que j'ai crafté aussi, tout a été crafté comme je l'ai dit. 7% dommage mêlé, c'est hyper intéressant, 20 puissance sur 25, ça n'a pas été fait, hein. Ça j'ai eu de la chance, j'ai eu ce jet direct, je trouve qu'il est vraiment pas dégueulasse. En trophée, donc j'ai un trophée Dofus, voilà les Dofus, Calyptus, ça c'est tout le temps les Dofus que j'ai eu en quête et le drop, etc. dans Jon Skunk. Saccageur Terre. Et forcené, comme d'hab, il n'y a pas de majeur. De toute façon, je vous le dis dans cette vidéo, il n'y a pas de trophée majeur. Ça coûte 2,5 millions à 3 millions en HDV, c'est trop cher sur un grid. Donc voilà les stats, 2500 vita, 10 PA, 4 PM. J'ai quand même 3 PO sur un Yopter, ça sert à rien. Puissance 70, sagesse 240 quand même. Fuite, etc., on n'a rien. Initiative 1300, tant mieux. Invoque 3. Prospection 200, on va arrondir, hein. J'ai 300 PP sur l'Yop, donc c'est énorme. Dommage, on a 35 dommages et 15 dommages terre seulement. En résistance, on a 15, moins 4 en terre, 17 en feu. 23 en haut et 11%. Et alors, franchement, tous les stuffs en fait se ressemblent. On a environ 15% res haul, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà pour le stuff terre du Yop. Je vais vous montrer juste rapidement le Zobal. C'est le même stuff, c'est exactement le même stuff. Full panoplie melou avec tout le temps les mêmes jets. Max en prospection, max en Rox. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai un OP à Vita. C'est le même stuff, vraiment. Là, franchement. Je peux pas vous montrer, ça sert à rien. C'est exactement le même stuff. Et il a même plus de PP, vous voyez, il a 294 de prospection sur le Zobal. C'est parce que les Dofus Calyptus, voilà, j'ai des Dofus Calyptus qui donnent 20, d'autres qui donnent 24, etc. Mais sinon, pareil, le bouclier sur un Zobal,
prenez le corps à corps. Furia, bon, vous pouvez taper à distance, mais c'est mieux quand même, on se bat le corps à corps. Les stats, bah voilà, 2600 vita, 10 PA, 4 PM, 825 force, 240 sagesse et 300 de prospection. On passe au dernier stuff et après je vais vous montrer ça au putsch. Alors, je vais d'abord vous montrer le stuff du Feka. Donc, c'est des stuff R, Feka R et Inutrof R. Déjà, pourquoi Feka R ? Parce que ça tape extrêmement fort en corps à corps et que c'est vraiment une très très bonne classe au CAC. Donc, Feka R, j'ai décidé de partir sur un mode avec pas mal de vita, avec pas mal d'agilité et pas mal de prospection. Comme sur tous mes personnages, la prospection est au rendez-vous. Donc, je suis parti sur des dagues glacées. Et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça maintenant. C'est pareil, ça a été FM. Regardez juste l'FM, voilà. Gros big up à Neya qui m'a FM ça sur le serveur. 327 vita sur 250 et le reste, c'est j'ai parfait sauf le dommage piège, j'en ai pas besoin. Donc je suis parti. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Pour le PM avant tout et puis même pour les stats. Je trouve que c'est un corps à corps hyper intéressant. Et les conditions, vous pouvez voir, il me fallait 140 de force. Et vu que je suis pas par chauffe force, bah, il fallait que je prenne la solo monk. Mais sinon, j'aurais pris le bandeau Calyptus qui est sur les nus. Solomon que j'ai acheté parce que ça coûtait moins cher en HDV que le craft, en tout cas à ce moment là. Solomon, bah voilà, hein, voilà les stats, vous connaissez la Solomon, c'est c'est une coiffe excellente. Cap du roi 5, c'est la même cap que le panda, voilà, cap parfaite, hein, prospection, dommage, etc, agilité. Ceinture frigostine, ouais, bah oui, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, je suis parti. En fait, le Feka c'est un des rares persos avec le panda et je crois les nutrophes qui n'ont pas de bonus de full panneau. Hein, parce que j'ai décidé de partir sur un nomade pour avoir vraiment les 6 PM sur le Feka. Feka, c'est comme Panda, pour moi, ça a besoin d'avoir beaucoup de PM. En tout cas, Feka R. Donc, ceinture frigostine, voilà les stats. Dommage, prospection, pff, tout y est, quoi. De toute façon, tous les items que j'ai pris, vraiment, les gars, je me suis cassé la tête pour vous sortir ce genre de vidéo pour que tout soit parfait. Pour que toute ma team soit vraiment dingue, quoi, au final. Donc voilà les stats, tout le temps en prospection, j'ai fait des Dofus Book, j'y ai passé 3, 4, 5 heures pour les 8 Dofus Book, après j'ai fait des améliorations parce que je me suis rendu compte qu'il fallait régler la PO, etc. Je vous assure que là, cette aventure à zéro, je m'y donne à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, quoi. Du début à la fin, donc sagesse, etc. Le seul reproche qu'on pourrait me faire par rapport à la F4, c'est qu'il n'y a pas eu assez de sagesse, là j'ai dû mettre pas mal de points en sagesse, mais sinon, voilà. Donc voilà les bots frigostine, vous avez un petit bonus de panoplie de 2 items, pas grand chose, 10 agi, 2% crit, 10 à ça, je prends toujours. On passe à l'amulette, pourquoi cette amu? Parce que j'avais besoin de force d'agi, enfin j'avais besoin de force pour les dagues glacées. Et j'avais besoin, bah, toujours comme d'hab, sagesse, prospection, vita, dommage. J'ai anneau PA vita, anneau mouteur, c'est pareil, on pourrait me reprocher pourquoi cet anneau. Comme d'hab, 40 agi, 20 PP, quoi, c'est énorme, 10 dommages R. Voilà. Et sagesse en plus, donc c'est cool. Dague glacée, comme je vous l'ai montré. Bouclier d'as, c'est pareil, ça aussi on pourrait faire quelques reproches. On pourrait me dire, ouais, un bouclier corps à corps comme le Yop et comme The Ball. Mais dans tous les cas, ce bouclier, vous avez du Rox en plus au corps à corps et à distance. C'est pour ça que le bouclier d'as, il est excellent, je trouve. Et en plus, ah oui, donc pourquoi en fait j'ai fait ce choix parce que ce bouclier il donne 11 de tacle, contrairement au Dragocar. Voilà. Andofus, voilà, Calyptus, Dococo, Kawat. Parce que j'ai pas beaucoup de Kama, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, je suis ruiné hein, sur mon crabe. Bon, il me reste 6 millions de Kama, mais ça part trop vite en trophée, c'est pour ça. En trophée, donc Cascadeur, Nomade, Dévastateur. 760 d'Agi, 230 Sasa. 9 PA, 6 PM, 2800 Vita. Coup critique 19, tacle 83 quand même, 80 de fuite, invocation 2, 282 de PP, dommage 26, 48 dommage R quand même, c'est un très bon stuff le Feka, 10% neutre, 20% terre, 10% feu, 0 eau et 0 R malheureusement. Donc voilà les stats pour cette petite Feka qui est ultra intéressante. L'ADD, bon je vous ai pas montré, hein, mais l'ADD sur le panda, c'est toutes les mêmes quoi, en fonction de l'élément. Voilà l'ADD du panda, indigo et turquoise. Donc vous avez 300 vita, 60 pp, 70 de chance. Pareil sur le Yop, DD turquoise et pourpre. Donc 300 vita, 60 pp, 70 force. Pareil pour le Zobal, pareil du coup pour la F4. La F4 qui a une DD ébène et turquoise. 300 vita, 70 agi, 60 pp, c'est énorme. Tout ça c'est énorme, énorme, énorme. Et ça vaut le coup de créer les stuffs avec les DD que j'ai fait pour une team de 8. Encore une fois, je le répète, c'est mieux pour une team de 8. Alors, les nuaires, c'est vraiment the exception.
avec le panda, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment the exception parce que j'ai dû changer de stuff. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, quand j'ai fait le Dofus Book seulement à la fin, que il y avait un petit souci entre le stuff de l'élu et le stuff du Feka. Je vous montre en fait. Le Feka, son stuff ne donne 0 PO. Et moi, c'est pas possible de jouer 0 PO avec un élu. Donc j'ai dû tout refaire. Tout refaire pour l'élu et prendre vraiment des. Bah voilà, un stuff qui a. Bah, là, je vais vous le montrer. 4 de PO. Donc c'est 4 de PO, c'est vraiment le minimum hein, quand vous jouez avec la PO. Surtout pour un élu. Donc je suis parti sur un bandeau d'eucalyptus. Pourquoi? Pour la PO, la prospect, les dommages. Voilà. Bah, c'est surtout pour la PO, hein, j'en ai vraiment besoin. Capter, pourquoi? Bah en fait, d'aglacé, comme d'hab. Hein. Pareil Overvita, j'avais besoin de force sur cette énutrophe et donc bah, j'avais besoin tout simplement la capter, voilà, qui est intéressant, qui donne vraiment de tout, cap vraiment très très intéressante, voilà. Donc je suis pas parti sur la cap 3-5 parce que bah, j'avais besoin de stats force et même dans tous les cas j'avais besoin de pas que ça coûte pas trop cher quoi, parce que bah, ça m'a coûté 30 millions le tout, hein. Les 8 stuff m'ont coûté 18 millions de Kama, après j'ai dû payer 6 millions pour tout FM, les runes, etc. Enfin un peu plus de 5 millions. Et après j'ai dû crafter tous les trophées. Et après j'ai dû crafter tous les boucliers. Donc ça m'a coûté un peu plus de 30 millions même. La ceinture, je suis parti sur une ceinture Bitoufal de Prosper Youpla. Ceinture que je ne mets jamais parce que ça ne jamais. Enfin, ça ne pas de Vita. Mais c'est une ceinture qui est dingue. Parce que ça ne 20 pp comme vous voyez. 3 lignes de raid, 5 dommages, 2% crit. 20 pp, 50 sasa. Enfin voilà, c'est vraiment une ceinture hors norme. On passe sur les 100 d'algorithme. Pareil, pourquoi? Bah, terre-air. J'avais besoin de stats terre, du coup. Pareil, l'APP est présent. Amulette, talisman chaud, pourquoi? Pour le PO surtout, et 20 pp. Voilà, encore une fois, le reste agit, etc. Invocation. J'ai un OP à Vita, tout simplement. Anomouteur, je vous ai déjà expliqué pourquoi. 20 pp, etc. Daglacé. Bouclier d'As, c'est pareil, c'est vraiment un de mes boucliers favoris. Et puis, je trouve que le skin du bouclier d'As, c'est vraiment dingue. Je sais pas ce que vous en pensez sur ma team. Bon, on le voit même pas sur les nids tellement il est petit, mais regardez sur le Kra et sur le Roub. Il est vraiment hyper joli. En Dofus Trophée, on a du classique, hein, cascadeur, Dofus Argenté. Bon, regardez, on a même un Dofus Argenté. Je pourrais changer, mettre plus de rocks, mais bon, pour le moment je laisse ça. Je viens de stuffer ma team hier, donc voilà, je préfère prendre mon temps. De toute façon, ça me suffit. En stats, on a 2600 Vita, 9-5, je sais, on n'a pas de nomade. J'ai assez de Kama pour crafter un nomade. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. J'enlèverai quoi? Bah, je peux enlever l'argenté et je pourrais jouer en 9-6. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que 6 PM ça reste quand même assez intéressant. En stade, donc 2600 Vita, 9-5, bientôt 9-6 sans doute. 770 d'agi. On a mis une partie vite fait en sagesse, hein, histoire que tous mes persos aient environ 242 sagesse minimum. Voilà les stats, pratiquement 800 d'agi. La dragonin, bah, c'est la même. Hein. Ébène et turquoise, 300 vita, 70 agi, 60 pp. PO 4, donc c'est cool. Pratiquement 800 d'agi, 240 de sagesse. Tacle, fuite, quand même 82-85, donc c'est vraiment intéressant. Et pp, franchement, bah, ça je vous le montre à chaque fois. Pour chaque perso, parce que c'est quand même un peu le thème de cette vidéo, c'est que bah, c'est énorme, voilà. J'ai beaucoup de PP sur tous mes persos et j'en suis très content parce que le drop va être très très salé. Et très très sucré même. Franchement, ça, je ferai beaucoup de sessions drop juste pour vous montrer que les stuff que je vous propose dans cette vidéo vont m'être hyper 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 rentables. Les résistances, bah, 24, 13, 14, même pas 0, 0, 0, 6 et 10. C'est tout pour la présentation des stuff. J'ai quand même mis, je crois, 35 minutes là. Pour vous présenter 8 stuff, mais au moins ça a été une vidéo hyper complète, mais c'est pas terminé. Je vais essayer d'être quand même assez rapide sur le rock, je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs là il n'y a rien qui se vend, c'est pas normal là. J'ai changé les prix. Ah si, ouais, j'ai une petite écorce de nerf qui s'est vendue il y a genre une heure quoi, s'il te plaît. Bon, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour le putsch. Pour ceux qui attendaient ça, bah, c'est tout à la fin de la vidéo le test rocks. J'ai mis l'idole, mais en vrai, ça sert à rien. Ah, ouf, heureusement, vous l'avez pas trop vu. Ça, c'est une compo d'idole, j'ai pas envie de vous spoiler. Parce que ça arrivera demain, normalement. C'est pour ça. Alors, je veux vraiment vous présenter, vraiment, rapidement, quoi. Ça va pas être un détail complet. De toute façon, vous verrez dans les donjons que je vais vous proposer. Alors, le panda qui tape à 500 Vagalam. Voilà, franchement, c'est un rox plutôt bon, hein, pour 800 de chance. Avec une assez bonne PO.
Donc voilà, Vagalame, je tape environ 500. Ethilo, voilà, 350. Voilà. Bon, après, je pourrais vous montrer Niol, je pense que ça tape 700. Voilà. Les Nutrof, opportunité, voilà, 200. Pelle en l'air, je tape quand même pas mal, hein, pas mal de dégâts. D'ailleurs, attendez, Bêche fantomatique, ça, il faut que je le mette là. Voilà. Bêche fantomatique, voilà les petits dégâts. 600 quand même, ça monte à Pelle en l'air. Donc voilà, opportunité. Et voilà, ça monte même à 700, Pelle en l'air. La F4, bah la F4, voilà, moi je joue Glyphe Fulminant, 400, Typhon, 400, et là ça monte même à 500 en crit. Le Zobal, alors le Yop, bon je vais quand même faire ça, parce que ça je le fais tout le temps. Masque Psycho, même si là, bon, là pour le moment, là je vous montre vraiment du no boost, hein. Mais le Yop, j'ai mis le masque du Psycho, c'est parce que je le fais tout le temps de toute façon, donc... Coco no boost, voilà, 1700, parce qu'il y a le glyphe, donc tout ça là, c'est du no boosté, hein. C'est du no boosté. Donc je vais vous montrer surtout la Coco, ouais non, Coco, la Coco, je pense qu'il va crever. Mon crabe, voilà, du no boosté, flèche enflammée 500, flèche explos 500, flèche glacée 300, flèche écrasante 500, tout ça c'est no boosté, donc voilà, bon, je vais me booster, je vais vous montrer après. Roublard, je sais pas si je vais vous montrer le Rox, mais voilà, 600, tout ça c'est du no boosté, je le répète. Et en plus, il était pas vu. Donc là, on va vu, et là je vais vous commencer, et là je vais commencer à ne pas vous parler chinois dans cette vidéo. Donc voilà les dégâts que je fais avec ma team. Voilà, ça c'est les dégâts que je fais tous les jours en donjon. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas oui, mais non, mais non, ma team, je la joue, je joue toujours à 8. Donc ce sera les dégâts que je ferai, et en plus il y aura certains mobs qui auront des faiblesses. Donc voilà, Glyphe Fulminant, 600, 600, etc. Voilà, pareil, Boursouffre, regardez ça tape combien, 900. Bref, je tape pas parce qu'il a tellement pas de points de vie. Voilà, regardez mon Zobal tape combien. Furia, je tape 1000 avec mon Zozo. 1000, oui, 1000. Là j'aurais pu le finir avec Furia limite. Bon, mon Yop, bah mon Yop en vrai, pff, il est quasiment mort, hein, le mob en face. Voilà, je tape combien avec mon Yop. Non, non, bah non, vous ne rêvez pas. Hein. Voilà les dégâts que je fais avec accumulation, avec un Yop 150. Voilà, 1200 de dégâts. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise, les gars? Quand vous avez une team, je suis parti de rien, j'étais rien il y a 2 mois, et bah je suis hyper fier de vous dire qu'aujourd'hui je suis quelqu'un, entre guillemets, sur Hagrid. Quand je dis je suis quelqu'un, c'est dans le sens où j'ai une team qui peut aller loin. Avec l'envie et la motivation, tout simplement. Parce que regardez, depuis jour 1, je vous dis à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je fais ci, je fais ça, comment j'XP, comment je me fais des kamas. Au final, si vous avez commencé en même temps que moi, et que là, peut-être certains sont même 200, hein, vous savez, il n'y a rien d'incroyable à être niveau 200 en 2 mois. Mais, grosso modo, voilà, voilà. Là, donc, je vais porter, et je vais vous montrer le Rox un peu plus en détail. Non pas du panda, le panda, je vous ai déjà montré, Enu, je vous ai déjà montré. Feka, je vous ai déjà montré. Zobal, je vous ai déjà montré. J'ai envie de vous montrer le Yop. Donc, oh, Coco Crit, j'ai de la chance. J'ai envie de vous montrer le Kra, parce que le Kra non plus, je vous ai pas montré vraiment le Rox. Donc, regardez. Voilà, flèche écrasante. C'est abusé ce sort. Roublard, voilà. Lenny, je vais booster, du coup, le Kra. Donc, je vais double vue encore. Je vais cupidité. Je vais passer avec ces persos parce que je vous ai déjà montré. Je vais double divine. Accumulation. Et je vous montre juste le dernier tour du Rox pour le Kra. Voilà. Ça monte avec des flèches explosives. Regardez les nouveaux stuff que j'ai. Voilà. Voilà le Rox de mon Kra. Et en donjon quoi. Peu importe le donjon parce que voilà, je me booste, etc. Vulnérabilité, ça fait extrêmement mal. Et les stuff que je vous ai montré sont très bons. Donc c'est aussi pour ça. On va dernier souffle. Je crois qu'en vrai là je vais. Je pense que là je vais le one shot avec la Coco. Attendez, ça c'est une bonne question. Le sort chance de l'Unitrof, il est où? Je sais pas, je le vois pas. Ah, c'est 170, d'accord. Ok, bon, bah je savais pas. Mon Yop. Mon Yop, les gars, bah je vais faire ça. Donc là, je suis full boosté avec le Yop et je vais vous montrer le Rox.
Tout simplement, bon là, ça rien que je vous montre, hein, voilà les enflammés à 1200 quoi. Dernier souffle, je mets même pas de kaboum ou quoi, il n'y a même pas besoin. On va revivre une dernière fois. Et je vais vous montrer, bon là, dommage, j'aurais pas cupi. Je vais névrose aussi, liop. Ah bah non, parce que je voulais bon, mais c'est pas grave, regardez. Regardez les rocks du hop. Coco qui tape. Oh là 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 là. 5500 pour un yop niveau 150. Voilà, regardez les dégâts. Accumulation 1200. Épée du hop 1200. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vraiment très très complète, qui aura duré quand même 40 minutes. C'était quand même hyper long, mais au moins, dans cette vidéo, je sais que j'ai rien oublié. Je vous ai dit le pourquoi du comment. Franchement là je vous ai tout montré, hein. Je vous ai montré toutes les stats, je vous ai montré tous les stuffs et surtout je vous ai expliqué pourquoi j'avais pris ça. Donc pourquoi c'était économique, pourquoi la prospection pour mieux dropper, pourquoi le rox, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la sagesse pour mieux pex, etc. Sur ce les amis, bah écoutez, je vous ai même montré le rox, donc je vous ai montré les stuffs, les statistiques, le rox, les dragodindes, pourquoi j'ai mis ça, pourquoi les boucliers, etc. Tout a été dit dans cette vidéo. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, histoire que je vois combien de personnes ont regardé cette vidéo à la fin, ce sera assez intéressant. N'oubliez pas, en début de vidéo, je vous ai proposé un concours. Il y aura 5 gagnants qui seront récompensés normalement dès demain. Ouais, allez, vous savez quoi, dès demain. Ouais, je ferai ça dès demain. Donc voilà, il y a les autopilotages, là, ce dont je vous ai montré. 5 gagnants, je vous l'ai dit. Pour participer, vous avez juste à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne aussi, et à écrire dans l'espace commentaire « Je participe avec votre vrai prénom et votre vrai nom de famille ». Donc 5 gagnants, donc il y en aura 4 qui vont gagner 2 potions d'autopilotage chacun, ça fera quand même 3 millions de kama par gagnant, plus un cinquième gagnant qui va gagner 2,5 millions en cash qui est juste ici. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, n'hésitez vraiment pas à bombarder cette vidéo parce que franchement ça m'a pris beaucoup de temps. Non pas à vous faire cette vidéo, là vous faire 40 minutes c'est pas énorme, mais à choisir les Dofus Book, etc. à analyser, vraiment j'ai dû faire beaucoup de modifications à droite à gauche pour vous proposer un contenu de qualité. Sur ce les amis, passez une très bonne journée et ou une très bonne soirée. On se retrouve comme d'habitude chaque jour pour une nouvelle vidéo. C'était Joystick, ciao, bye bye.